Salut à tous fidèles auditeurs de la chaîne panafricaine Yari Info. Nous espérons que vous allez bien. Alors que l'ancien président déchu du Niger, Mohamed Bazoum, est toujours retenu en résidence suivie avec plusieurs membres de sa famille, notamment son fils, sous la très haute surveillance des hommes du général Abdourahmane Tchiani, qui a pris le pouvoir il y a de cela plusieurs semaines déjà. Voici alors, chers auditeurs, que la justice nigérienne a décidé de sortir une décision plutôt étonnante. Car si vous ne le saviez pas, chers auditeurs, la justice nigérienne a ordonné la libération immédiate et sans condition du fils de l'ancien président du Niger, Mohamed Bazoum. La justice estime, chers auditeurs, que sa séquestration est une violation à ses droits et libertés. Ils estiment donc, chers auditeurs, que les autorités actuelle de la transition devrait libérer le fils de l'ancien président déchu Mohamed Bazoum. Et vous, chers auditeurs, que pensez-vous de cette décision de justice? N'hésitez pas à laisser votre commentaire concernant cette question. Et s'il fallait noter le général Abdourahmane Tchiani au vu des décisions qu'il a déjà prises, sur une échelle de 1 à 20, combien donnerez-vous au général Abdourahmane Tchiani comme note? N'hésitez pas à laisser votre commentaire concernant cette question. Même si, chers auditeurs, le général Abdourahmane Tchiani est décidé à faire partie officiellement des soldats de la France stationnés au Niger, car il estime que depuis qu'ils sont au Niger, ils n'ont rien résolu, mais plutôt aggravé la situation. Le peuple du Niger est tout à fait d'accord avec lui et le soutient totalement dans cette démarche. Et ils estiment, chers auditeurs, que les Français devraient vite quitter le territoire nigérien car ils n'ont rien à faire là. Car ils estiment également, tout comme le général Tchiani, que depuis que les Français sont arrivés au Niger, la situation s'est plutôt détériorée. Et vous, chers auditeurs, êtes-vous d'accord avec cela? N'hésitez pas à laisser votre commentaire. Nous allons essayer d'avoir plus d'informations concernant tout ceci pour vous donner encore plus de détails dans nos prochaines vidéos. Nous vous invitons donc cependant à rester connectés sur Yari Info, chers auditeurs, votre chaîne numéro 1 de l'actualité de l'information. Donnons-nous cependant rendez-vous très prochainement à une autre vidéo pour un nouveau sujet. D'ici là, chers auditeurs, portez-vous bien. Que Dieu vous garde. Bye bye.